Bonsoir. Ce soir dans Rencontre, je reçois David Calcul, le champion du monde de calcul mental. David, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À quel âge avez-vous compris que vous étiez un surdoué, David ? À 4 ans, j'ai réussi à compter visuellement toutes les billes dans ma trousse en 10 secondes. Mmh. Il y en avait 6. À 10 ans, vous entrez en 6e. À 18 ans, vous obtenez votre bac. Oui. En même temps, c'est normal. Ah bon, c'est pas extraordinaire ? Non. Vous avez toujours été attiré par les chiffres ? Oui, le 5, le 34, le 67, le 89, le 6, le 1. David, quelles sont vos opérations favorites ? J'aime bien les additions, puis les soustractions, division pas trop, et aussi les multiplications, j'aime pas. Racine carrée, logarithme ? Vous avez bien voulu tenter une petite expérience en direct ce soir dans Rencontre, un petit problème à résoudre, d'accord ? Ah oui, d'accord. 288. Attendez, j'ai pas encore donné l'exposé, donc c'est pas... Ah oui, c'est vrai. Alors, le petit Bernard doit se rendre chez sa grand-mère qui habite Grenoble. En sachant que le train gagne 2 km/h à chaque fois que 5 passagers en descendent et que le parcours compte 18 arrêts, en combien de temps Bernard rejoindra-t-il sa grand-mère? C'est parti pour David Calcul. Cet été, j'étais à la montagne. C'est bien aussi l'été, la montagne. Et les marmottes. Vous avez bien entendu l'exposé du problème, David? Quel problème ? Le problème. Ah oui, 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 le train, la grand-mère, ouais. Les passagers, tout ça. Ouais. Je dirais 22. 22 quoi ? Pas 22 quoi, 22 litres. 4 ? Non plus, non. C'est plus ? Non. C'est 13 alors ? Non, c'est moins de 4, de toute façon. Donc, moins de 4 ? Non. Ah oui, 15 non, 3 Bah un peu moins. Bah 2 Bah non, un peu moins de 2. Bah 1 Entre les deux. Bah il n'y a rien entre le 1 et le 2. Si, il y a les demi-heures. Entre... Ah oui, bah 3 demi-heures. Non. Je sais pas, c'est quoi? 1h47. 1h47, c'est ça? Non mais je viens de le dire. Bon, posez-moi une addition. 5 et 1. 7. Merci David. La semaine prochaine, je recevrai Patrice Lozère. Il a des dents à la place des cheveux. Bonsoir.